assez voir la vie, parce que c'est vrai qu'on voit que notre famille en ce moment, c'est mon collègue de boulot. Christophe est resté très proche de ses parents. Oui, bah, ça va être. Il vit à 150 km de là, près de Dijon. Ça y est, on va sur le concours. Son père est cuisinier dans une maison de retraite. Non, il est un peu long, c'est un peu cool, mais ça a été. Aussi parce que je mets pas sur moi et j'ai pas envie de me louper pour tout le monde qui est derrière moi, surtout le chef, pour tout ce qui est investi pour moi, tes parents, mes bien espoir. Pour Christophe, après des débuts difficiles, devenir meilleur apprenti de France serait une belle revanche. Sébastien Chambreux, son nouveau chef, prend sur son temps libre pour lui transmettre ses tours de main. Pour le concours, les candidats devront préparer deux plats, une ballotine de bar et un cheesecake. La gastronomie n'est pas seulement affaire de saveur, mais aussi de technique. L'un des petits diamants techniques qui fait sur le filetage. En France même, ils ne diront rien et aujourd'hui, on corrige tout. Et maintenant, tu travailles comme on a dit, donc ton couteau dans l'autre sens. Voilà, exactement. Et tu prends une arête et tu descends. Non, t'es trop. Fileter, c'est dégager des filets du poisson qui constitueront la chair de la ballotine. Là, tu l'as serré, et regarde avec mes doigts. Là, je m'en vais et je roule. Et là, regarde. Et ben voilà, parfait. C'est important, là, aujourd'hui, c'est de voir la texture, la cuisson, les assaisonnements. Et vas-y, je te laisse goûter avec un peu de sauce. On a une royale qui cuit parfaitement bien. On a un petit intérieur qui l'a déglacé au vin blanc. C'est très très bon, ça met une légère acidité.